Le passé simple, emploi et exemple. Le passé simple est le temps de l'écrit par excellence. Il exprime des actions courtes, des actions successives, des actions achevées dans le passé, et c'est l'équivalent du passé composé à l'oral. Les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent par ER, comme le verbe marcher, donner, penser, écouter, changer, aimer, discuter, distinguer, espérer, ajouter, affirmer, etc. Pour conjuguer les verbes du premier groupe au passé simple, on supprime la terminaison et on ajoute E, AI, A, AS, A, AM, AT, R. Et remarquez l'accent circonflexe sur A dans nous et vous. Par exemple, le verbe parler, je parlais. Donc, je parlais, tu parlas, il parla, elle parla. Nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent, elles parlèrent. Le garçon parla, les gens parlèrent, Ahmed et Jean parlèrent. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes qui se terminent par IR, comme rugir, finir, accomplir, adoucir, affaiblir, affermir, affranchir, agir, agrandir, alourdir, anéantir, aplanir, applaudir, approfondir, arrondir, assombrir, assourdir, attendrir, punir, avertir, blanchir, etc. Pour conjuguer les verbes du deuxième groupe au passé simple, on supprime la terminaison IR et on ajoute IS, IS, IT, IM, IT, IR. Et toujours remarquer l'accent circonflexe sur I dans la première et la deuxième personne du pluriel, nous et vous. Par exemple, le verbe choisir, je choisis. Je choisis, tu choisis, il choisit, elle choisit. Nous choisîmes, vous choisîtes, ils choisirent, elles choisirent. Le garçon choisit, les gens choisirent, Ahmed et Jean choisirent. Les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. Certains se terminent par IR, d'autres se terminent par OIR, WAR, DRE, OIRE, TTRE. Comme faire, devoir, croire, savoir, prendre, sortir, entendre, admettre, mettre, connaître. Venir, concevoir, voir, croître, commettre, courir, cueillir, dormir, faillir, fuir, mentir, mourir, ouïr, ouvrir, partir, sans oublier les verbes avoir et être. Donc, pour conjuguer les verbes du troisième groupe au passé simple, certains se terminent par IS, IS, IT, IM, IT, IR. D'autres par U, US, U, S, UT, UM, UT, UR. D'autres par IN, INS, INS, INT, M, AND, R. Les verbes qui se terminent par IS, comme le verbe prendre, mettre, sortir, voir, faire, lire, écrire, rire, dire, etc. Des verbes qui se terminent par U ou bien US, comme le verbe savoir, falloir, pouvoir, vouloir, devoir, mourir, se taire, connaître. Des verbes qui se terminent par un,
c'est-à-dire INS, comme le verbe venir, parvenir, se tenir, se souvenir, tenir, contenir, détenir. D'autres verbes ont une conjugaison différente, comme le verbe naître, naquit, le verbe vivre, vécu, le verbe résoudre, résolu, etc. Et voici un exemple, le verbe partir, je partis. Donc le verbe partir, je partis, tu partis, il partit, nous partîmes, vous partîtes, elle ou bien il partir. Le verbe avoir au passé simple, je, tu, eu, il, eu, elle, eu, nous eûmes, vous eûtes, elles eurent, elles eurent. Le verbe être, je fus, tu fus, il fut, elle fut. Nous fûmes, vous fûtes, ils furent, elles furent. Attention, il faut le distinguer du verbe faire. Le garçon fut, les gens furent, Ahmed et Jean furent. Et voici d'autres conjugaisons pour d'autres verbes, comme le verbe savoir, je suis, le verbe croire, je crus, le verbe devoir, je dus, le verbe venir, je vins, le verbe mettre, je mis, le verbe sortir, je sortis, le verbe entendre, j'entendis, le verbe courir, je courus. Le verbe être, je fus. Le verbe avoir, j'eus. Le verbe vivre, je vécus. Le verbe naître, je naquis. Le verbe prendre, je pris. Le verbe pouvoir, je pus. Le verbe vouloir, je voulus. Le verbe voir, je vis. Le verbe faire, je fis. Comme on a dit, il faut le distinguer du verbe être qui est je fus. Donc la seule différence, c'est la voyelle I pour faire et la voyelle U pour l'auxiliaire ou bien le verbe être.